Salut tout le monde, c'est Bernard Kant, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play Silent Hill 3. Donc la dernière fois que nous sommes laissés, nous étions dans la chapelle, nous avons rencontré Claudia, et Ever semble avoir compris que c'est Alyssa, enfin qu'une partie d'elle est Alyssa, et nous avons appris qu'Alyssa est la sœur de Claudia, ce qui fait que Claudia est la fille, la deuxième fille de... Machin, je sais plus quoi. De la méchante du premier, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son... Dahlia, voilà, c'est ça. Ok. 3, salut. Oh non, 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 encore des énigmes. Bon bah je vais l'écrire alors. Papier. Papier. Attends, je cherche du papier. Oui, du papier. Ceci est mon papier. Crayon. Attends, je refasse le plein de crayons parce qu'il marche pas très bien. 3, salle. Sale. Dieu créa le temps qu'il partage entre le jour et la nuit. J'ai déjà eu ça, c'est dans Alchemia. Faites attention, hein. J'ai déjà eu normal Alchemia, vous ne la refaites pas. Attention. Dieu marqua la voie du salut et offrit la joie aux mortels, mais Dieu prit l'éternel en échange. C'est un connard, il a pris l'éternel et tout ça. Pff, salaud. Gouiste. Alors, qu'est-ce que c'est, Hercule? De naissance. Original. Naissance. Hop là. Un homme offrit un serpent au soleil et pria pour le salut. Une femme offrit un roseau au soleil et demanda la joie. Prenant pitié de la tristesse du monde, Dieu naquit de ces deux mortels. What? Ils ont fait l'amour? Oula, c'est une orgie? Je risque d'écrire orgie, non, origine. Je vais écrire origine. Origine. Au début, les gens n'avaient rien. Leur corps les tiraillait et leur cœur ne ressentait que la haine. Ils se sont battus sans cesse, mais la mort les éluda. Ils sombrèrent dans le désespoir de leur éternel bourbier. D'accord. Donc ensuite, ils ont offert un roseau et un serpent au dieu du soleil. Le dieu est né, le dieu leur a donné la mort et a pris l'éternalité. Je ne sais pas si français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce truc? Ouais. Pour un jeu sur PSE, je trouve que les textures sont assez bien faites quand même. Ok, des fois elles sont un peu dégueulasses, mais elles sont assez bien faites. J'aimerais bien avoir le jeu en HD avec la version sur PS3, mais elle est vraiment trop buggée du coup. Déjà, de toute façon, c'est foutu parce que j'ai commencé sur PS2, mais quand même, j'aurais rien à voir sur HD. C'est dommage qu'ils l'ont foiré. 4 créations. 4 créations. Hop là. Dieu créa des êtres pour faire naître l'obédience envers elle. Ah, donc elle, le dieu est une fille, je suppose. Le dieu rouge, Xé-Shilbara. Le dieu jaune, Lobzel-Vif. De nombreux dieux et anges, enfin, Dieu se mit à créer le paradis où le bonheur consisterait à s'y trouver. D'accord. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Est-ce que je suis à l'église? Je suis pas du tout à la même église que j'avais dans le premier, mais c'est pas grave. Je pensais que c'était la même église, alors que non, pas du tout. C'est pas grave. Oh, il est décédé. Promesse. Non, ils sont tous tristes. Promesse. Et là, Dieu se sentit fatigué et elle s'effondra. Les gens du monde entier déplorèrent cet événement, mais Dieu prit sa dernière bouffée d'air et revient poussière, promettant de revenir un jour. Et elle revient dans un bébé, c'est ça? Foi. Elle en arrive à la partie amusante. Foi. Non, pas ce foi-là, la foi, pas le foi. Et pas de... Dieu n'est donc pas perdu. Pourquoi tu dis ça? Nous devrions prier et ne pas renier notre foi. Nous attendons plein d'espoir le jour où le chemin du paradis s'ouvrira enfin. D'accord, donc en fait ils attendaient que Dieu renaît chez quelqu'un. Et puisque Alyssa avait des pouvoirs un petit peu paranormaux, ils se sont dit bah tiens, c'est Alyssa qui a les pouvoirs de Dieu. Carte de tarot. Et de la nuit. Pourquoi je suis tellement content? Parce qu'en fait je joue beaucoup, beaucoup, beaucoup à Binding of Isaac. Je pense que je vais faire une... L'orc ne sert à rien, je ne sais même pas jouer. Vas-y. Je joue beaucoup à Binding of Isaac récemment. Et je compte d'ailleurs faire une vidéo dessus. Parce que j'adore ce jeu. Bureau cassé. Et en fait, dans le jeu, il y a des cartes de tarot qui vous donnent différents.
Ma place est ici, pas de raison, retournons par l'interaction. Bah, je viens pas de là. Ah d'accord, je viens de là. Je doute que, de toute façon, si tu vas par cette porte, je doute que tu vas retourner au parc d'attraction, mais c'est pas grave. À moins qu'on est toujours dans la parc d'attraction, genre ils ont fait une cachette au parc d'attraction, c'est un peu con d'ailleurs, quand on y pense. Voilà, donc les cartes de tarot, voilà, ça me fait plaisir. Je sais que les cartes de tarot existent pour de vrai, mais ça fait quand même plaisir de les voir. Mais je sais pas ce qu'elles représentent dans la religion, tout ça. Je connais pas vraiment super bien. Des dessins! Clic, clic. Donc, chapelle. Non, c'est une carte. Oh, c'est trop mignon. Ça c'est mal foutu, mais c'est trop mignon, je trouve. Putain, c'est Five Nights at Freddy's ou quoi? Il y a des poulpes là, c'est Pépito. Pardon. Ok, je vois. Mais ça va pas être très compliqué. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une porte? Ah non, d'accord, je vois. C'est pour expliquer ses fautes là, je sais pas quoi. Merde, j'ai l'impression qu'il est coincé, j'arrive pas à l'ouvrir. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière la porte. Putain, je Selon les écritures du culte, elles n'ont pas l'air très intéressantes. Je vous confirme. Forgive me. I know I'll be put to death for the sins I've committed. And I'll go to my death gladly and with a peaceful heart. But please, grant me just a small piece of your everlasting mercy. Let me see my child once within your golden gates. Deliver me not to hell. But to purgatory. Allow me to atone for my sins there. I'll stand within the very flames of redemption, no matter how they burn me. Forgive me for my wicked act of revenge. And deliver the soul of my poor murdered daughter. Please. Also care for the soul of the girl whose life I have taken. God, I am a child, trembling with fear as I stare at death. Soothe my tortured soul with your infinite mercy. Please, forgive me. Je suis Dieu, enfin je suis la mère de Dieu, du coup en fait je suis un peu Dieu, donc je la pardonne. I forgive you. Thank you, Lord. Il n'y a plus rien à dire. C'est comme je vous l'ai dit, hein, j'aime vraiment ce jeu pour les dialogues qu'il y a, les scènes, tout ça. Autant le premier, c'était un excellent jeu pour ce qui est l'introduction à la saga, j'ai envie de dire. Le 2 avait une histoire intéressante, des graphismes intéressants, des monstres intéressants, tout ça, un gameplay intéressant. Et le 3, par contre, l'histoire est excellente et les dialogues, mon dieu. J'ai peur que ça affecte surtout la fin. Parce que là, en fait, je sais pas. Parce que là, je me suis dit, bon, elle veut que je l'excuse. Que je suis Dieu, enfin, je suis Dieu. Je suis la mère de. Je vais enfanter Dieu, quoi. Du coup, on peut dire par extension, je suis la mère de Dieu, quoi. Je
suis la Vierge Marie, donc je suis une sorte de sainte, quoi. En gros, si on prend la logique. Donc je suis un être... Oh là, j'ai cru que c'est... Oh merde. Je suis un être... What? Qu'est-ce que c'est? C'est l'hôpital? Oh oh. C'est le corps qui fait ça? Je crois que ouais. C'est bizarre. C'est verrouillé. Ah! Il y a des trucs là, non? Il y a quelque chose? Bon, c'est pas grave. Je sais que je vais aller par cette porte, je vais revenir. Le corps, il va partir. Pas grave. Donc, excusez-moi, katana. Aïe. Aïe, merde. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez. Ah bah voilà. Ah bah c'est bon, voilà, je suis trop fort. Donc, je sais pas si c'était vraiment nécessaire de le tuer parce qu'il avait l'air plutôt intéressant. Enfin, il était pas comme les autres, quoi. Du coup, je suppose qu'il fallait le tuer. Je peux ramasser les stylos. Il y avait quelque chose d'écrit, mais c'est trop pâle pour être lisible. Notre collée au cadre ne valait rien non plus. Est-ce que le parfum peut-il révéler? Je sais pas, parce que je sais pas comment est-ce qu'on peut révéler ce genre de truc. J'ai pas encore étudié ça en physique. C'est quoi ça, le calepin de Douglas? Ah oui, oui, pardon. Est-ce que je peux examiner? Non, 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 examine. The Eye of the Night. Merde. C'est la carte numéro 22. Ouais, elle est pas dans Isaac. À Isaac, ça se termine à 21, même si je sais pas, c'est à Isaac, ça prend les mêmes. Bref, c'est à quoi emporter? Parce que c'est emporté. Ah! Ouais. Est-ce une personne? Pas sûr, mais tirer les draps ne me dit rien. Moi non plus. What? Il y a des chiffres là. Putain. Putain. Oh, je vais me faire violer en revenant, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? Les sagères sont couvertes de dossiers, de livres ennuyeux. Je ne vois aucune information utile par ici. Bonjour, mise en scène. Tu fais bugger, non, mon émulateur? C'est pas grave, je t'excuse. Donne-moi ça. Putain, tu fais chier. Est-ce que c'est voulu que ce soit flou comme ça? Parce que moi, je vois un peu rien. Couvre-papier, j'en ai pas besoin, j'ai pas froid. Ah, un couvre-pied, pardon. J'ai une cassette de magnétophone, youpi. Joie. Et volupté. Ah! Ce dossier contient un tas de papier. Je dis ah parce que là il y a le symbole qui permet de sauvegarder, donc je vais pouvoir savoir ce que c'est. J'ai l'impression que c'est la copie, je m'avance un peu, manuscrite d'un livre. Représentation représente la divinité appelée nimbe solaire. Ah, ça c'est moi. Symbolise un groupe religieux en termes d'héraldique. Parce que ça veut dire, les deux cercles extérieurs sont la charité et la résurrection. Les trois cercles intérieurs sont le présent, le passé, le futur, original. Habituellement en rouge, parfois en noir, ou d'autres couleurs, le bleu qui le transforme en malédiction contre Dieu est interdit. Ah ah, intéressant. Donc je dois surtout pas toucher au bleu. Parce que ça me pourrait potentiellement pas me faire mal. Oui, j'ai vu les trucs rouges. Ça fait vraiment, vraiment chier que ça fait bugger mon ordinateur. Mon émulateur, ça. J'aurais bien voulu faire le jeu en HD, mais j'ai lu beaucoup de. Juste pour vous dire, parce que vous me direz sûrement, ouais, mais pourquoi est-ce qu'il fait pas la version HD? J'ai lu beaucoup de trucs plutôt négatifs sur cette version HD. Donc j'ai pas trop envie de l'essayer parce que ben, j'ai envie de bugger encore plus, quoi. Des fois, il y a des ralentissements, des fois, les sons sont horribles. Et vous nique la gueule. Yeah.
sensation d'un ange qui vole vers les cieux, rien de spécial, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière l'image. Après tout, les pleurs et les pas d'affection différents de là. Ouais. Putain. Là-bas, y'a quoi? Ok. Est-ce que j'ai la map ou pas? Ah ouais! Elle se dessine au fur et à mesure. What the f... Oh, c'est tellement creepy, je déteste ça. Ah, c'est moi qui la dessine. Non, ouais, je sais pas, parce que... Cheryl, elle aime bien dessiner, non? Et vu que je suis Cheryl, non, enfin, entre guillemets. Ouais, je vois le genre. Un fauteuil roulant, mais il n'y a personne dedans. Qu'est-ce que tu fais? Reviens là. Tu disparais pas dans le mur, toi? Bordel. Sous le drap, je veux même pas le regarder. T'as pas de commentaires sur le truc là qui sont, qui est en train de... Putain, c'est quoi ces conneries? C'est qui ce mec? Je le vois partout à chaque fois. Je le vois tout le temps dans l'Overworld en tout cas. Il est toujours là dans l'Overworld. On met ses valves. Ça représente Steam, c'est ça? Valve, tout ça? Non? Ok. J'aimerais vraiment qu'ils sortent le remake sur PC. Un remake sur PC HD. Sans bug. Franchement, ça serait vraiment super. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je poursuis? Qu'est-ce que c'est? Oh putain, mais c'est le boss qui a tué mon papa. Attendez. Je suis pas d'accord, moi. Je suis vraiment pas d'accord. Où ça? Oh ta mère. Oh j'ai eu peur. C'est pas le boss qui a tué mon papa? Celui qui a tué Harry? Mais je l'ai tué, bordel. J'ai tué le tueur de mon père. Tu es censé être décédé. Ces bouquins sont vraiment étranges. Je préfère pas y toucher. Ah là il y a un truc ouvert. Il y a plein de bouquins ouverts. Yes, de l'histoire. J'adore. Dieu antique de Silent Hill, leur étymologie, leur évolution, quelle barbe. Non! Ah merci, j'ai cru qu'elle allait pas le lire. Oh, c'est le connard là que je tue pas dans Silent Hill 1. Toutes les religions évoluent par rapport à leur forme d'origine. Celle-ci n'échappe pas à cette règle. Tombée entre les mains des immigrants, elle fut profondément influencée par leur croyance chrétienne d'origine. D'accord, parce qu'en fait, Silent Hill est une petite ville, on apprend ça dans le 2. Avant qu'il y ait les colons qui arrivent et qui casse la gueule à tout le monde, et du coup les croyances sont évidemment été un petit peu modifiées. Par exemple, les représentants traditionnels de ces dieux primitifs portent parfois les noms et présentent les caractéristiques d'anges chrétiens, d'où l'apparition des caractéristiques communes. Il existe également un rare exemple de la grande divinité, le créateur du paradis ou le seigneur des serpents et des roseaux, qu'on a vu tout à l'heure, adoubé du nom d'un démon. Bien sûr, les responsables ne sont pas les fidèles, mais leurs détracteurs. Ouais, je vois le genre quoi. Putain, il y a plein de trucs. Ah, il y a une autre carte de tarot, j'ai vu. Juste lire ça aussi, il y a sur le toit. Enfin, sur l'étagère. Le tarot est basé sur les 22 consonnes hébraïques. D'accord, bah voilà, il représente l'édition du monde entier. Chaque carte numérotée de 0 à 21 ont un sens particulier. Et oui, merci Binding of Isaac. Les diseuses de bonne aventure utilisent pour prédire les utilisent pour prévenir la vie. Par exemple, la première carte, le magicien, est signe de création de sagesse, de commencement ou de destruction. Après, c'est la grande prêtresse. Ah bon? C'est la grande prêtresse? La grande prêtresse. Après, c'est l'empresse, je crois. Après, le 4, je crois que c'est les... Non, le 5, c'est les amoureux. Le 4, je crois que c'est les Riorifants. Je crois que c'est... L'orphelin, mais je suis pas sûr, on va voir ça. Sagesse de commencement, parce que je connais bien Isaac, qui est la grande prêtresse et signe d'intuition, d'harmonie, de fidélité, de dogmatisme et d'arrogance. Certains textes parlent du jeu Gardner, possédant plus de 22 cartes. Ce jeu n'existe plus que dans la littérature. On se dit que ces cartes supplémentaires étaient basées sur des voyelles hébraïques, oubliez le I spécial, perdu, et qu'elles symbolisaient un être détaché de ce monde transcendantal Dieu. Ouais. J'adore. Oh, une carte de tarot, c'est quoi? La lune. Alors, la lune, je crois que c'est la 18.
Oh. Hiya, Heather. You show up everywhere, don't you? You make me sound like some kind of best. Well, who are you anyway? Haven't you realized that yet? Yeah, you're on Claudia's side. I told you not to put me in the same category as that mad woman. Well, you're pretty loony yourself. It's true. We believe in the same God. But I'm quite sane. So why did you help me out then? Was that also part of trying to resurrect God? It's not uncommon for people to worship the same God and still disagree. God? Are you sure you don't mean devil? Whichever you like. The point is that now I really am on your side. I don't want God to be born. Wouldn't be convenient. Much too unpredictable. So you've been using me to stop Claudia, is that it? Do your own dirty work. My dirty work? I think we both had our own interests in mind. You hate her too, don't you? You're the only one who can get it done. I don't have powers like you two. Besides, I always hated getting all hot, sweaty. Oh, really? I'm just looking out for myself. Everyone does it. Don't stand there looking so smug. What person in this room? You come here and enjoy spilling their blood and listening to them cry out. You feel excited when you step on them and snuff out their lives. Are you talking about the monsters? Monsters? They look like monsters to you? Don't worry. It's just a joke. By the way, I forgot to ask you. Did you get the Seal of Metatron? What's that? You don't have it? Leonard was carrying it! You mean this thing? Yes, that's it. As long as we have that, we're fine. Here, take this. De l'autre monde, youpi, donc je vais tout de suite le lire, mais avant je veux juste dire que Léonard a une nouvelle fois confirmé qu'on voit tous Silent Hill, enfin que tout le monde voit Silent Hill avec un point de vue différent. Par exemple, lui il dit, tu vois des monstres toi? Et il dit qu'il plaisantait, mais je pense qu'il voit pas les monstres de la même façon que nous, je pense, perso. Il y a une feuille de papier ici, mais elle est vierge. Bon, on va écrire dessus, non? Juste enlever ça. Alors, trouvé dans les archives. Je crois que c'est à 18, c'est ça? 18, je suis trop fort! Je connais bien mes... mon truc. Alors, mon gros livre donné par Vincent, j'archive. Ah, The Seal of Metatron. On l'a déjà vu dans Silent Hill 1 qui servait à stopper le démon. Donc, c'est bien ça. Ce carré magique, ce n'est pas un carré, c'est un cercle. Qui prend un
double cercle avec un train intérieur qui protège et part bien les sorts s'appelle Armoiri Virum 7 ou Sceau de Métatron. Je préfère mon Sceau de Métatron. Il fait son effet que la cible soit bien ou mal intentionnée. Son pouvoir place donc une lourde responsabilité de sur l'utilisateur. Difficile à maîtriser, on évite de l'utiliser. C'est pourquoi on l'appelle Métatron, comme l'ange éponyme Métatron. Ah, ils ont fait une faute. Métatron. Donc c'est Métatron, ok. Également appelé agent de Dieu. Mon nom est Tron. Métatron. Pardon. Excusez-moi. C'est tout ? Somme de lien, sûrement un livre occulte. Je n'ai pas ça de toute façon. Ok. C'est le. On est posé. Donc, qu'est-ce que c'est ça ? Putain, il y a des interrupteurs, c'est bizarre. Donc, c'est une jolie bibliothèque qu'on a là. Tout cool. C'est tout ? Donc là, ouais, là c'était la peinture que je viens de modifier. Pourquoi il y a des lettres, des chiffres et tout ça, c'est bizarre. J'avoue, j'aime pas trop. Est-ce que je vais retourner à l'église? Ah non. Oh ta maman. Oh putain. C'est le plus gros point de sauvegarde de l'histoire de l'humanité. Bonjour. Saint Jennifer, une fois imperturbé par la lame du bourreau. Ah bah ça c'est bête. Coucou. Saint Nicolas, des mains miraculeuses, le médecin de Dieu. Ah ouais. Genre. Sainte Alessa, mère de Dieu, fils de Dieu. Cette image c'est moi. J'ai le bébé dans les bras. Et je suis le bébé tenu dans les bras. Le moi qui cherchait la mort et a disparu avec Dieu il y a 17 ans. Ah oui, m'en souviens. Et le moi d'aujourd'hui qui cherche la vie. Ouais. Mais on va sauvegarder. Et merde. C'est pas grave. Beffroi. Putain, j'ai pas pu lire. Fait chier. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous abonnerez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un like, de la partager sur les réseaux sociaux, ça me pique les yeux, c'est impressionnant. Moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un like, de la partager sur les réseaux sociaux, ça m'aiderait. Moi je vous dis à tous, je vous vois dans la prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, et je dois aller où en fait? Alors là, j'ai l'impression que je peux descendre, mais descendre où, je sais pas. Ah, il y a une porte là, ouais. Je sais pas. En tout cas, il y a un endroit où c'est bloqué, donc je peux pas y aller. Je peux peut-être y aller. Bon, on verra. Bref. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao. Putain, je m'attendais à voir un écran de mort, mais c'est pas grave. Oh, ils sont encore plus dégueulasses. Maintenant, ils ont des capes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais dans le sol?